Ah oui, non, mais c'est les meilleurs plans. C'est 100% les meilleurs plans. Non, non, j'ai raté un menu et j'ai sauté du. J'ai raté le saut de l'échelle. J'aimerais avoir un début propre en fait. Début propre par rapport à. Putain, c'était quand? C'était mardi. Lundi ou mardi, je sais plus. J'ai fait un début absolument dingue. Voilà. Attends, mais ce cri, c'était le cri de fin de Benedicta, c'était pas du tout le cri du Chisel. Le jeu, j'ai tellement farm Benedicta que maintenant il met le cri de Benedicta sur la mort de tous les boss.
Ah oui, et j'avais eu le Artful Cancel ici en arrivant pile sur la position de là où il y a le truc et de pouvoir réussir à interagir avant de finir la chute. Ce qui était très stylé. Ce bord. Deux fois que je fais ça. Un saut beaucoup trop tôt et du coup j'accroche le bord. Est-ce que je me soigne? Oui, je me soigne. Hey Kami, welcome back again. I have my whole day dedicated to NMG today. I want this sub 110 so bad. $7.55, let's go. Ça c'est un bon début de run. I don't want it soon, I want it now. But yeah, I have
I have the strats for pretty much anything now. I just need to get a full run in, so it's a work of consistency right now. Patience and consistency. Yeah, I just gotta go fast. This is for you, Kenny. This is your strat. I really don't know if it's that fast compared to just waiting for the guy to blow up. Sub 11, let's go. C'est un très bon début.
ville. D'accord. Je pense que c'était la bonne chose à faire que de prendre le coup pour arrêter de lui faire faire sa multitoupie là.
Au moins, je perds pas de temps, donc je suis bien. 17h32, c'est ok. J'ai jamais fait ce dash là sur le deuxième ennemi en vrai. Ils sont très durs à avoir les plateformes warp de la salle dont je viens là. Les deux plateformes warp ici, je les ai. J'ai le premier souvent, le deuxième quasiment jamais. Et les deux en même temps, c'est. Je les ai eu une fois, je crois. Parce que je sais que j'ai placé quasiment tous les plateformes warp de toutes les salles d'un coup, au moins une fois. Je sais qu'ils sont tous faisables. Mais j'ai failli bourrer croix trop vite et acheter le calice. Je m'en serais voulu. Vraiment, le split de Crown of Towers, jusqu'à arriver dans Crown of Towers, c'est ma section préférée de la run en termes de mouvement. Je trouve les salles tellement intéressantes. Je vais garder le bébé. Je vais garder le bébé, je me dis qu'il me sera utile dans le retour de Crown of Towers.
Là, j'ai largement ce qu'il faut pour tanker Crown of Towers. Et au pire, j'ai une potion. Et comme je dois attendre un ascenseur... Je vais faire un peu gaffe à ma vie, quand même. Cette salle maintenant qui fait très peur. Voilà. Alors faut que je fasse gaffe parce que cette salle elle m'a troll récemment. Voilà. Je m'étais fait vraiment gravement troll par la salle d'avant, donc c'est pour ça que je voulais faire gaffe. 23,59, c'est bien. C'est bien de ouf. Ouf. Où est-ce que je me soigne? Faut que je me soigne pour Radames, c'est sûr. La question c'est où? Je vais me soigner maintenant. Ok, nice.
vais me re-soigner du coup parce que je pensais pas prendre ce coup de cloche. Perdre un peu de temps ici parce qu'il va falloir que je récupère de la mana. Et là j'ai quoi? Je dois avoir 25. J'ai presque ce qu'il faut pour un Mirabras en fait. Il y a moyen qu'avec le coup, juste le coup sur le Gus là dans la salle, ça suffise. Peut-être aussi changer la méthode de mashing. Je sais que la méthode de mashing au clavier est supérieure à la méthode de mashing à la manette. Il y a genre, allez, peut-être 15 secondes à gratter. Un peu plus peut-être. Ça c'est dommage, ça fait perdre pas mal de temps, mais c'est pas le plus grave du truc. Ce qui est le plus grave, c'est vraiment de perdre du temps sur Radames à le faire déclencher sa phase 2 et tout.
pour gagner sur Palace, c'est worse. Let's go, let's go. Ça, c'est une Rospina qui se passe bien, ça fait plaisir. Plaisir de fou. Yeah, let's go. Good Palace, good Rospina, that's what I was looking for quite a while now. Okay, now we got a good... Now we gotta get a good Lesmes. Alors, c'est pas mon PB, c'est mes temps moyens, mais en vrai, comme j'ai fait que train sur tout cet endroit-là, je fais que gagner du temps par rapport à mes temps moyens. Et j'avoue, en fait, je préfère jouer contre mes temps moyens parce que du coup, je vois plein de verts, donc du coup, j'ai l'impression que je fais une bonne run. Même quand j'ai une run qui n'est pas incroyable, ça continue de me motiver en me disant, bah, t'es sur une bonne run, continue. C'est vraiment pour moi, je préfère faire ça. Il y a des gens, je sais, qu'ils aiment jouer contre la Swarm of Best. C'est vraiment juste une... juste une habitude. Ok, alors, ici, on fait gaffe. Game plan, suit la ligne. Ça, je savais, j'ai vu la flamme, je me suis dit, ça va me toucher. Et ça m'a touché. Cool, c'est passé du premier coup. Je vais me soigner quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'une dinguerie. On gagne quand même du temps. C'est bien. Dommage, j'ai raté la phase strat sur la P3 et ça m'a fait perdre pas mal du temps. Mais c'est quand même une bonne run. Anything.
Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est que là, je l'avais, hein. J'avais mon deuxième Weight of Sin. J'étais juste trop haut, du coup, ça lui a donné le temps de déclencher... Enfin, non, ça l'a tué avant qu'elle déclenche sa deuxième attaque. Mais comme elle est faite pour quoi qu'il mourir à la fin de son attaque en cours, comme elle avait déclenché son attaque, bah ça a pas marché. Ça aurait pu être encore plus insane, et ça l'a pas été. Dommage. Mais c'est là que je suis content, tu vois, j'ai perdu 0,2 secondes sur le fight, j'en avais 20 à gagner, c'est pas grave. J'ai juste pas perdu de temps. Et là, je me dis, je suis content d'avoir laissé ce bébé là, parce que du coup je suis serein pour... pour cette phase là. Je n'avais pas de double saut, je ne sais pas pourquoi. Ici, faire attention à pas accrocher le bord, parce que tu peux l'éviter. Je suis sûr Véridicto, très bien. Ça m'arrive. Je sais pas pourquoi, ça m'arrive de plus en plus de prendre un vieux hit dans cette salle nulle. Genre, je rate un double saut et après côté ça, je fais un Aerial Ignition Weight of Sin into Platform Warp sans aucun problème. Le jeu. Bon, l'avantage, c'est que c'était dans une salle où le timer est posé pour une raison qu'on ignore. C'est donc pas grave. Ouais, donne la clé, là. Il a donné la clé ? Il a donné la clé. Ça, le clé. Et salut Docteur Omega, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du Dissidia. La dernière fois que j'ai fait du Dissidia, c'était genre en début de semaine. Ça s'est passé comment le tournoi? Le tournoi c'était bien. Dash, qu'est-ce que je fais? Le tournoi ça s'est bien passé, moi j'ai fait 0-2, mais c'était cool d'avoir des gens qui étaient là parce que du coup on a pu streamer des trucs, on a pu raconter des bêtises. Et c'était le principal. Les VOD marchouillent sur YouTube. Du coup ça a pu donner un peu plus de visibilité à Dissidia et un peu plus de nouveaux joueurs. J'ai fait un match commenté là il y a quelques jours, enfin la semaine dernière pour être précis, je l'ai fait samedi de la semaine dernière. Pareil, ça a eu quelques vues, ça a fait venir quelques gens sur le Discord. Du coup là mon idée ce serait de faire un lobby genre beginner friendly pour pouvoir que les nouveaux ils se mettent un peu plus au jeu. Et du coup ouais non, Dissidia c'est pas mal en ce moment. Et là, j'avoue, je suis dans un vortex de réussir à choper ce nouveau PB. Alors, en vrai, c'est pas forcément les priorités.
Mais c'est juste que en ce moment, je sais que je suis en forme pour réussir à faire ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de passer sur ça pas mal de temps. Parce que bon, après, Dissidia, je suis très très loin d'être le meilleur joueur du monde. Je suis plus proche du pire. Parce que je me fais vraiment 0-2 à chaque tournoi que je fais. Bon, je vais me concentrer sur cet environnement, parce que la basilique c'est un monde qui peut être très très troll. Sur un main Mathéus ou XDF. Bah là en vrai je suis même pas tombé sur ça. Hein. Bon alors, focus sur ce combat. Let's go! Let's go! Ça, ça fait plaisir. Première fois que je la passe en run, la strat. Ça fait un très gros gold. Bon, maintenant, faut bien penser à dasher pour pas mourir. En vrai, le neutral est en train de vachement évoluer. C'est beaucoup moins orienté sur les dashs qu'avant. Genre maintenant, tu dois toujours faire une dash de temps en temps et tout, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Justement, marcher est devenu un skill, entre guillemets. En vrai, tu peux au TP Squall tout ce que tu veux. Squall, c'est très fort. Tu peux t'en sortir contre à peu près tout avec Squall.
Odin peut me troller, donc c'est pour ça que je sauvegarde. Alors, tu fais quoi? Let's go. Merci Yerma. Hein. Merci Yerma. Insane.
trop con, je suis trop trop con, je le savais et j'ai voulu grid. Je suis un idiot. J'avais un synodo trop bien et j'ai fait nimp. Putain, j'avais moyen d'avoir un 52 synodo quoi. Et je perds du temps. Et je perds du temps alors que j'aurais pu avoir un truc mais tellement mieux. Enfin, je perds que ça. J'aurais pu avoir un truc tellement ouf. C'est pas grave. C'est pas grave, il y a largement encore à gagner. Ouais, c'est ça. T'es mort, c'est pas grave, t'as passé le truc, go next. Exactement. C'est vers le haut, c'est vers le haut, c'est vers le haut, c'est vers le haut.
Ok, on enchaîne. Pas eu la phase strat, mais on enchaîne, on s'en fout. Ok, maintenant Crimson, Rain. 56-31 Suzanne, quoi. Si Camille voyait ça, elle serait folle. À l'époque, le sub-hour Susanna, c'était genre le goal. Maintenant, on est... 3 minutes 30 et j'ai une mort. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon là, à partir de maintenant, les splits ne veulent plus rien dire. Si jamais je les passe first try, je vais avoir genre 10 minutes d'avance, ce qui est ce que je cherche. Non, 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 alors, le split Crimson Rain, il doit jamais, il est terminé là. Il est beaucoup trop rapide ce gold.
J'ai eu extrêmement peur. À ça, mais c'est un peu plus complexe que ça. Je vais pas regarder le chat jusqu'à la fin de la run. Là, j'ai vraiment envie de me full focus sur les boss de fin parce qu'ils peuvent être vraiment très très compliqués. Milagro mio, atended mi ruego. Otorgadme vuestra bendición para cumplir con vuestra santa encomienda. Deux répliques. Cuerpo con heridas, lacerad el pergamino ajado que cubre mi carne. Dernière réplique. Pues soy el primer penitente, y vos seréis el último. Switch down, switch down, switch down, switch down. Mi penitencia aún no ha terminado. Thank you.
Et salut Méliane hier, thanks for the good luck. Genre au pire si je meurs c'est pas grave. Je veux juste que cette run se finisse si elle se finisse. Si elle se finit de ouf, ça serait trop trop bien. Trop content. Ce dévotion était magistral. Ah putain. Mais les patterns de dévotion quoi. Oh la vache. Et salut Yume, merci pour le GG. Merci pour les GG, merci pour les GG, ça fait trop plaisir. Wait. Kemi, did I beat you? I think you have a 109. This is second place instead of just sub 10. Oh my god, no! Non, ça veut dire que maintenant il faut que j'aille chercher le world record. Ah, quel. And they still have a death on Sinodo. This is sub 110 and it has a death on Sinodo. That is insane. Oh la vache. Hey Luce. Oh là là. The new strats are mental. And it could get even faster if we skipped Sion. Ah oh, putain. Pardon. Pardon des grossièretés. Mais oh la vache.